Je vous résume l'actualité du jeudi 9 février. Corée du Nord, Kim Jong-un a célébré les 75 ans de son armée. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé une grande parade militaire destinée à présenter l'arsenal et les armes les plus avancées du pays. Grève en Guadeloupe, 100 000 foyers victimes de coupures de courant. Le mouvement de grève d'agents EDF en cours depuis mi-décembre en Guadeloupe a entraîné de longues coupures d'électricité, mercredi 8 février. Triel, et maintenant, des élus de la mairie visés par des plaintes d'agents. Nord, la voiture du couple d'Octogénaire disparue retrouvée dans un canal, deux corps à l'intérieur. Il faisait du chantage à ses victimes, un homme de 21 ans suspecté de plusieurs viols écroués dans la Loire. Tentative de féminicide, je me bats pour Chloé et toutes ces femmes qu'on refuse d'écouter. Vinci réalise un bénéfice net de 4,26 milliards d'euros en 2022. Le géant français du BTP et des autoroutes a annoncé jeudi avoir réalisé un bénéfice net en hausse de 64% sur l'ensemble de l'année dernière. Vinci tire la moitié de ses 4,3 milliards de bénéfices de ses très rentables autoroutes. Le géant du BTP annonce ce jeudi une excellente santé financière, portée pour moitié par son activité autoroutière, qui ne représente pourtant que 10% de son chiffre d'affaires. Disney Plus perd des abonnés pour la première fois et vire 7000 personnes d'un coup de baguette magique. La magie d'une croissance sans fin s'est arrêtée pour la plateforme de streaming. Si le désamour semble plutôt local et circonscrit, la firme américaine a tout de même lancé un plan social, rassurant les investisseurs. Guerre en Ukraine, en direct, Volodymyr Zelensky est arrivé à Bruxelles pour rencontrer les 27. À Bruxelles, le président ukrainien devrait à nouveau plaider pour que ses alliés lui livrent des avions de combat, au plus tôt, comme il l'a déjà fait mercredi lors de ses visites à Londres et à Paris. Des mesures pour lutter contre les selfies mortels à être tâ. Alors que trois femmes ont perdu la vie en chutant des falaises en 2022, un plan de sécurité va être instauré pour limiter les risques mortels. La Corée du Nord dévoile une quantité record de missiles pendant un défilé célébrant le 75e anniversaire de son armée, Pyongyang a mis en lumière une quantité record de missiles balistiques intercontinentaux. Procès d'une revenante de Syrie, l'ex-étudiante de Nanterre devenue femme de djihadiste. Patrice Evra condamné à 1000 euros d'amende pour injure homophobe, après des insultes visant le PSG. Les propos homophobes d'une personnalité comme Patrice Evra alimentent la haine et les violences contre les personnes LGBT, a souligné l'avocat des associations qui avait porté plainte après la décision ce jeudi. Nuit de la solidarité, le nombre de sans-abri bondit dans les rues de Paris. 3 sans-abri à Paris et 618 dans la métropole. Le grand recensement de la Nuit de la solidarité montre une hausse de 16% des personnes sans solution de logement dans la capitale. Strasbourg, la maison Mimir ravagée par un incendie. Disparition d'Elena, des fouilles en cours au sud de Brest. Métro, RER et bus bondés, 37,60 euros remboursés pour les détenteurs du Pass Navigo. Après une galère persistante pour les usagers en raison d'une baisse de fréquence des transports, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé ce jeudi une indemnisation. A RATP, une indemnisation de 37,60 euros pour les détenteurs du Pass Navigo. Ile-de-France Mobilité a annoncé vouloir indemniser les voyageurs en raison de la dégradation des services de bus et de métro fin 2022. Redécoupage des régions, Emmanuel Macron dans les pas de Nicolas Sarkozy Le président de la République consulte en vue d'une potentielle réforme des institutions, déjà évoquée lors de sa campagne. Si le contenu du projet est encore incertain, le chef de l'État envisagerait un redécoupage de quatre grandes régions pour rapprocher la population de ses élus. Un homme mis en examen pour le meurtre de sa compagne soupçonnée d'un autre féminicide quatre ans plus tôt. Nord, un homme inconnu de la police tué de deux balles dans la tête. Burkina Faso, deux employés de MSF tués, les violences contre les civils se multiplient. Mercredi, un véhicule de l'ONG, clairement identifié, a été attaqué au nord-ouest du pays, tandis que six autres personnes ont été tuées dans un assaut mené contre un village du est. Lille, Darmanin interdit une soirée, qu'il retourne en Afrique, organisée par l'ultra-droite. Suicide d'un étudiant ayant déclenché un metouguet. la famille veut rouvrir l'enquête. Calvados, un homme retrouvé mort, son fils d'une vingtaine d'années suspecté du meurtre. Disparition d'Elena à Brest, un corps calciné retrouvé, le principal suspect décédé à l'hôpital. Étudiante disparue à Brest, un corps calciné retrouvé, le principal suspect est mort à l'hôpital. Une dizaine de jours après la disparition d'Héléna Cluyou, un corps calciné a été retrouvé jeudi dans le Finistère. Le suspect, un Brestois de 36 ans, qui était dans le coma, est mort ce même jour. Accident mortel de manège à Clermont-Ferrand, des défaillances à l'origine du drame. Deux plaintes contre le patron de la police en Polynésie française pour harcèlement moral. Les Mureaux, une famille intoxiquée après avoir allumé un barbecue dans un appartement. Enfant maltraités dans le Pas-de-Calais, deux ans de prison avec sursis pour les parents bourreaux. Insulte de Hanouna au député Louis Boyard, ces huit écopes d'une amende de 3,5 millions d'euros. La chaîne de Bolloré écope d'une amende record à la suite des insultes du présentateur Cyril Hanouna lancées au député LFI Louis Boyard à l'antenne en novembre 2022, annonce ce jeudi le régulateur ARCOM. Le parrain corse Jacques Mariani détenait une note confidentielle du ministère de l'Intérieur dans sa cellule. Par l'IDE, le retraité de 73 ans dévalisait les voitures garées dans le parking souterrain du centre commercial. Il se faisait passer pour le père de Kylian Mbappé afin d'obtenir des titres de séjour pour un couple. Niche PS, le texte contre le démantèlement d'EDF est voté. Lors de la niche PS à l'Assemblée nationale, les députés socialistes ont réussi à sécuriser la nationalisation d'EDF. Belgique, le corps d'une Chinoise retrouvée découpée dans une valise, le milieu de la prostitution soupçonnée. Disparition d'Elena, épilogue macabre dans une forêt du Finistère. Un élu LFI avec un ballon à l'image d'Olivier Dussopt scandalise la majorité. Le député insoumis Thomas Porte a essuyé de nombreuses critiques après avoir publié une photo sur laquelle on le voit poser son pied sur le ballon. L'ex-gilet jaune Christophe Chalan sont condamnés à 8 mois de prison ferme pour menace. Tir mortel d'Alec Baldwin, les parents de la victime poursuivent l'acteur à leur tour. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.